vacaciones. Así que eso estuvo excelente. No lo pierdan, ¿ok? Entonces vamos a hacer... Ok, entonces. Conexión también. O sea, véanse entre ustedes. ¿Sí? Si se van a decir algo. Lo de, si cumple, si es rogar, yo ruego. Si estoy brava, si estoy brava, estoy brava. Si estoy feliz, estoy feliz. Si estoy... Alors, je vous présente Sandra, notre nouvelle intervenante théâtre qui nous a beaucoup aidé avec l'atelier théâtre. Et pour les parents qui ne comprennent pas le français, elle va vous faire un résumé des scènes que vous allez voir. Muy buenos días. Muchísimas gracias por venir a ver esta pequeña representación de los chicos. Mi nombre es Sandra Yacure, estoy dando las clases de teatro con la profesora Stephanie y pues le quiero hacer un resumen pequeñito de cada obra en caso de que no entiendan. Entonces, la primera se llama Confinamiento Supervisado. Son tres obras bastante modernas escritas por autores franceses que se inspiraron en la situación del COVID, de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Y quizás algunas de ellas son un poco más surrealistas, pero es como la visión de las cosas que podrían pasar en una familia en medio de lo que hemos estado viviendo con el COVID. Entonces el primero se llama Confinamiento Supervisado. La familia está viendo, está jugando, de repente en la televisión aparece la ministra. Y la ministra comienza a dar una cantidad de restricciones. Hasta ha sido una familia lo que siempre ha cumplido las normas, las leyes, y ellos se dan cuenta que la ministra en la televisión los puede oír y los puede ver. Y empieza una conversación entre los que están en la casa y la ministra que les está diciendo todas las cosas que no pueden hacer porque estamos en tiempos de COVID. La segunda obra se llama Cuando el apetito es bueno. Y es una familia que ha estado encerrada por muchos meses, no han tenido la oportunidad de comprar comida y resulta que a la mamá se le ocurre matar a la abuela, al perro, para poder darles de comer a la familia. Pero todo esto se entiende es al final cuando algo aparece en uno de los platos. Y la tercera obra se llama Por fin libres. Es una familia de una mamá, dos hijos, cuyo papá se ha ido de la casa, han tenido problemas de comunicación y la mamá decide poner en una página que se llama Tinder, que es de buscar pareja, la foto de la hija, para que así ella pueda, el novio terminara con ella al ver la foto allí, porque se supone que ella tiene su mamá. Lo hizo como para cuidarla. Y allí se genera un pequeño malentendido. La mamá es la que le dice, bueno, yo soy la responsable de ustedes, yo soy la que les voy a comer, así que aquí se hace lo que yo quiero. Bueno, nada, muchísimas gracias por venir. Los muchachos han trabajado fuerte, hemos tenido complicaciones porque pues algunos estuvieron confinados, tuvimos que tener plan A, plan B, plan C, pero finalmente están todos aquí. Así que muchísimas gracias por apoyarme y espero que lo disfruten. Là, c'est bon, mais t'as pas du travail au ministère? Chut, c'était quoi les enfants? Vous entendez quoi? On dit, mais la question, ça ne marche pas comme ça. C'est la télé, maman. Elle marche comme ça. En plus, c'est une vieille, elle est sourde. Mais on ne parle pas comme ça de la ministre, c'était pas correct. Oui, maman, comme tu veux, maman. Foncez, ne me plus de terre, c'est une assertion inutile. Vous devez réagir et vous comporter en citoyen responsable. Qu'est-ce que vous dites? Mais qui c'est vous? Depuis le début du confinement, les manquements à la discipline collective ont été observés. C'est inadmissible, c'est inexcusable, c'est impardonnable, j'ai dit. Non, vous écoutez, c'est terrible. Et oui, c'est grave. T'as vu, la ministre n'est pas très bien peignée. Ça va, ce qu'il a. Ou alors, elle est constipée. À partir de dorénavant, et jusqu'à nouvel ordre, les missions décidées en conseil d'urgence sont renforcées. Mais cela est terrible. Eh oui, c'est terrible. Je vous rappelle que ce confinement n'a pas été conservé à la légère. C'est une mission essentielle à la survie de la nation. C'est notre pays tout entier qui est menacé. On sait, elle dit ça tous les jours. Bon, on va jouer. On ne bouge pas. T'as vu? C'est qui ça? C'est comme si elle nous entendait. Tu crois que c'est possible? Dis pas n'importe quoi, on n'est pas dans son film. C'est vrai. Nous ne sommes pas dans un film. La réalité est bien plus terrifiante. Vous êtes tous contaminés. Mais non! Mais si, les preuves sont là, elles sont accablantes. Mais on a
fragilité de la France. C'est le Covid. Les anciens sont les plus vulnérables. Le virus se transmet par la bouche. Les plus jeunes, c'est important ça. Bien, les médecins, pour nous protéger, une seule solution. C'est le confinement. Merci, Madame Christine. C'est bien. Vous êtes trop bon, de bons citoyens. Mais notre grande nation pourra se faire. Ce virus est répandu. Les sensibilités fleurissent. Pour lutter, pas d'alternative. La punition, le bâton, le confinement et la discipline de diable. La règle doit être observée partout et par tous. Nous, on respecte un moment. Au message. Quand on dit un gros mot, on se désinfecte de la bouche. Avec le savon. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est arrivé. Il y en a qui détournent et qui profitent. Allô, c'est vrai. En plus, ils sont grossis exprès et ensuite ils voient des jeunes ivres alcooliques pour le plaisir. Ils n'ont aucune conscience morale. Ils se soulagèrent. Oui, madame. Non. De plus, dans ce portable recours à la discipline collective a été observé. C'est inadmissible, je le sais. Il y a parmi vous de grands points de comportement. Mais non. Si. Alors, pour éradiquer la contagion, de nouvelles mesures drastiques se mettent en place avec effet immédiat. Rien fait. C'est pas juste. Silence. Là, j'ai parlé. Il nous a répondu. Tu sais bien que c'est pas possible. Conformément aux décisions prises au plus haut niveau de l'État, voilà donc le détail des nouvelles dispositions mises en place. Elles entrent en vigueur immédiatement. Article 1. La contestation orale est désormais interdite. Article 2. Tout déplacement à l'intérieur des foyers doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration papier avec motif valable. Article 3. Un couvre-feu est mis en place à partir de 20h. Toute circulation de la cuisine, le salon et les pièces est proscrite. Article 4. La télévision ne devra jamais être éteinte. Tout manquement à ces règles élémentaires fera l'objet des sanctions dissuasives. Mais ce n'est pas excessif. Excessif? Pas du tout. C'est indispensable. La contamination calme du terrain et s'installe. T'as vu, elle a répondu. Tu dérailles. Partons ici, on est des bons citoyens. Pas tous, madame Julio, pas tous. Mais vous me connaissez? Bien sûr que je vous connais. Le ministère connaît tout le monde. Il vous voit, il vous observe, il vous surveille. Tiens, tu vois, je l'avais dit. Mais c'est pas possible, un truc pareil, ça n'existe pas. Et si, je l'avais dit, c'est possible. Le ministère est partout. Il est le plus grand, il vous accompagne, il vous guide, il vous aide. Mais il vous surveille. Je peux le faire pipi. Il n'a pas laissé, s'il te plaît. Il est impoli, donc il est infecté. Ah bon? Maintenant, caractérisez l'article 1. Article 1. La contestation orale est désormais interdite. Cette petite est une infraction. C'est de la rébellion. Pas de pipi, on s'en retient. Et moi, je veux y aller, s'il vous plaît. Malheureuse, c'est trop moyen. Là aussi, le règlement est bafoué. Diable, c'est sérieux. Mais qui sont les parents? Pas des pions. Moi? Non, je suis désolée, je ne comprends rien. Malheureux, le droit de rester, on est aussi. Et madame, s'il vous plaît, ils sont jeunes, ils sont fragiles, on doit leur pardonner. C'est toi. Tolérance zéro, madame. Nous devons faire front. Vous êtes un premier. Tous ensemble, nous terrassons cet infâme virus. Grâce à votre résistance, le Covid sera éradiqué. S'il vous plaît, madame la ministre, je pourrais aller dans ma chambre pour vous jouer gentiment, si vous voulez bien, madame la ministre, s'il vous plaît. Oui, ça peut aller. Et évidemment, tu remplis dans des stations de déplacement dérogatoire. Non, je n'ai pas de silencieux. Excusez-moi de vous demander pardon, s'il vous plaît, madame. Et j'aimerais bien aller dans la piscine. C'est juste pour vous sustenter poliment. Serait-ce possible, s'il vous plaît, madame la ministre? La formulation est à peu près correcte. Je vais voir pour un cessation. Ah, il manque le mur! Le mur de se rester! On reste assis, j'ai dit! Mais on ne peut rien faire! Bien sûr que vous pouvez. Vous avez la liberté totale de faire comme vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. Vous voyez? Évidemment.
très bien à aller jouer. T'as pas rempli ton papier. J'ai un peu faim aussi. Mange ta main. Si je rajoute de l'air sur mon papier, ça va? Trop tard, t'as une bourse à la main. Mais c'est triste. C'est pas triste, ma famille. Tous ensemble, nous terrassons si tard, ma vie. Mais notre place est tardue. Il nous faudra du courage, mon ami. Avec une main de fer dans un cœur de métal. Hey, mais qu'est-ce que vous faites? C'est interdit par le règlement. D'accord, c'est pas grave. Venez, on s'en va. On va la laisser vous mettre toute seule. Mais non, on ne peut pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, si, on en a marre, on s'en va. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien sûr qu'on peut. Mais merde, on va le faire. Maman, tu viens? Bon, c'est peut-être pas très raisonnable. Elle va se fâcher, on va avoir des ennuis. C'est sûr, des ennuis, les gros. On s'en fiche. Voilà, on s'en fiche. Si on va bien, arrête de faire ton chef. Promis. Et tu seras gentil avec nous. D'accord. Vous pouvez aller faire pipi sans lever les doigts. J'en veux rien. Et on va circuler dans l'enveloppe de ton papier. Attendez. T'es sûr? C'est pas la marque. Je vais passer pour de quoi pour le faire. Si je mange des en fesses. Bon, ça marche. Si t'es sage, tu ne peux pas en finir avec nous. Mais attention, hein. Tu te tiens bien et tu fais ce qu'on veut. Mais non, ça ne sera pas la peine. Vous allez voir, vous êtes trop surpris. À la voix, vous me dites, on te suit. Tant mieux. Bon, c'est quoi le programme? Quel programme? Bon oui, il a raison. Si tu restes là, il ne faut pas avoir peur à tes combien. Moi, je voudrais bien regarder la Reine de Neige. Tu veux que je fasse la Reine de Neige? Moi, si possible, j'aimerais bien voir qui veut gagner des millions. Eh bien, un concert de Stromae. Tu connais Stromae? Et tu sais quoi?
quoi? Eh bien, mais pour de la mémoire, en temps, merde! C'est quoi cette dôme? Mais les bateaux, il y en a, maman? Mais oui, maman, il y en a plein des bateaux. Allez, donc, fais la sienne, ma chérie. Je veux savoir ce que j'avale, oui ou même? Mais pourquoi les portiques sont trop entiers, mais ni ses lunettes, ni son coude pour entendre? Pour aller discuter avec Christian, mange! Je veux savoir ce que j'avale, oui ou merde? La viande des voisins! Mais encore! Ils sont où les voisins? Je ne les vois plus. Ça fait 8 jours qu'on mange la même chose et moi j'en ai marre! On ne peut plus faire des courses! Je fais au mieux avec ce que j'ai! C'est quoi ça, maman? C'est rien, ma chérie. On a que dire que c'est comme la fête dans la galette. Allez, bon appétit, on mange. Tu t'en rendais pas compte, mais chaque jour il devient de nous en plus. Mais
Tinder, n'est-ce pas? Quoi? J'ai ma petite idée, c'est tout. Oui, c'est moi qui l'ai ouvert. Mais c'est un délire! C'est affreux! C'est une bombe! C'est une lampe! Comment as-tu osé? Je l'ai fait pour toi. J'imagine pas combien de personnes rêvent de sortir avec toi à l'avance. Déjà bien, des jeunes que tu maries et qui veulent marier. Non, ce n'est pas pour moi que tu l'as fait. C'est pour toi! Par égoïsme, par arrogance! Et ben voilà! Non, ce n'est pas du pas pour moi! Tu n'avais pas le droit! Mes choix, mes sentiments, mes relations, mes amis, ça ne te regarde pas! Et la raison, maman, ce ne sont pas des affaires. Comment ça, pas mes affaires? Qui vous nourrit? Qui vous accueille? Qui vous donne un lieu pour survivre à cette épidémie qui va peut-être vous tuer tous? C'est vrai qu'il suffit de sortir pour être contaminé. C'est incroyable, hein? Mais, de toute façon, maman... Nous sommes des personnes à part entière! Tu ne peux pas comprendre ça! Nous sommes des humains libres, libres! Et la raison, maman, même dans les circonstances actuelles, ce confinement ne nous prive pas de la liberté fondamentale. De liberté? De liberté fondamentale? Les libertés que vous m'avez toujours demandées, les libertés que vous m'avez même exigées.